Bonjour, je m'appelle Fabien Mertens, bienvenue sur ma chaîne. Et là aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que bon, un jour important, on vient d'avoir une annonce de Wizards of the Coast aujourd'hui, donc le 31 mars 2022, où on a enfin des informations sur le futur de Magic et donc aussi de MTGA. C'est assez important pour que je fasse une petite vidéo. Je ne vais pas rentrer dans les moindres détails, mais bon, voilà. Ici, si vous allez sur le site de magic.gg/news, vous allez avoir accès à ces informations. Pour une fois, ils sont fendus d'un article en français que je mettrai en description dans la vidéo pour que vous puissiez éventuellement lire vous-même les informations. Donc là, je lance la version française, qui est un petit peu moins sympa, mais bon, au moins c'est facile, on ne doit pas se casser la tête à traduire. Donc là, ils nous annoncent quand même un gros truc, c'est que, bon, là, ils avaient supprimé la scène, on va dire, compétitive pro, et ils nous annoncent que les Pro Tours sont de retour. Donc c'était juste une petite pause due, à mon avis, aux événements. Et un flottement dans les politiques de Wizard. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que je veux dire, c'est un peu le moteur de Magic, hein, tous ces tournois. Et ça permet de voir des nouveautés. En tant que moi streamer, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. À une époque, aller voir un Pro Tour, c'était vraiment quelque chose. J'ai pu avoir la chance d'en voir un à Bruxelles une fois, enfin, il y a déjà un paquet d'années. J'avais vraiment apprécié l'événement. Donc ici, ils décrivent comment on peut se qualifier donc pour le World Champion à travers donc un calendrier de Pro Tour. Donc ici, donc la voie du Pro Tour à partir de la saison 2022-2023 ressemble à ceci. C'est-à-dire que la grosse différence, c'est qu'ils vont mettre maintenant sur pied des Regional Championship Qualifiers qui permettent de se qualifier. Si on se qualifie à cela, on peut alors qualifier, on peut aller au Regional Championship, et si on finit, je pense, premier ou deuxième, on peut alors aller directement dans le Pro Tour. Et après, si il y a 3 ou 4 Pro Tours sur une année, ça c'est les détails qu'il faut que je regarde après, on a la possibilité d'aller au World Champion, qui ne seront Le World Championship ne sera plus une compétition uniquement regroupant 16 joueurs, mais je pense qu'ils ont augmenté ça à 128 joueurs. Donc l'ensemble, à mon avis, des qualifiés de tous les champions à travers les différents championnats régionaux. C'est apparemment plus facile qu'avant de pouvoir atteindre les niveaux pro. Je dis pas que c'est facile, hein, loin de là. C'était facile, je vous proposerai sur la chaîne de vous montrer comment le faire. Hein. M'étonnerait. J'ai pas le temps malheureusement de le faire, sinon ça c'est un challenge que j'aimerais bien voir jusqu'où on pourrait aller si on se mettait à jouer vraiment de manière pro tout le temps. Mais là c'est un peu compliqué. Mais toucher du bout des doigts l'une ou l'autre compétition, ça pourrait être quand même sympa. Moi, je le ferai certainement sur MTGA, puisque apparemment, certains événements nous permettront aussi de nous qualifier via MTGA. À ce niveau-là, par contre, ils ne sont pas rentrés dans les détails maintenant. Donc là, ils décrivent les championnats qualifiers régionaux. Ensuite, les championnats régionaux. Le Pro Tour en lui-même. Donc, 3 fois par an. Puis bon, le pricing est quand même franchement intéressant. Et le championnat du monde, où là aussi le pricing est de 1 million de dollars, qui est vraiment
Très intéressant. Donc là, on voit une scène qui se restructure. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Du coup, j'avais aucune lisibilité sur le futur, et là, ça me rassure un petit peu. Et la voix numérique. Moi, j'ai plus les cartes carton. Ce serait un investissement vraiment trop gros pour moi pour l'instant de revenir au carton. Je ne dis pas que je le ferai jamais. Si demain ma chaîne me permet de me payer ma passion et de pouvoir revenir dans des jeux carton, je le ferai avec plaisir. Mais là, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, je vais me limiter à la voie numérique et aller essayer d'aller le plus loin possible dans cette voie numérique. Donc ici, on voit qu'à la fin du mois d'avril, on aura un peu des nouvelles par rapport à comment ça va être organisé. Donc les événements se feront autant sur MTGA que sur MTGO, donc Magic Arena ou Magic the Gathering Online. Apparemment, il y aura de nouvelles manières de se qualifier pour les qualifiers week-end, donc ils vont garder ce principe de qualifier week-end. Donc avant, c'était si on se classait dans les 1200, on finissait le mois dans les 1200 premiers, et c'était tous les trimestres ou tous les 4 mois qu'il y avait un qualifier, on pouvait avoir un jeton et puis après participer à ce qualifier et à travers ce qualifier pouvoir aller alors plus loin. Ça va rester là. On aura donc les infos fin de mois d'avril. Donc là, moi, c'est quelque chose que je vais surveiller parce que j'aimerais bien en faire un sérieusement. Donc regarder, prévoir à l'avance, savoir quand est la date. C'est pour ça que je suis un peu attentif aux dates de sortie et tout maintenant. C'est qu'il y a vraiment un événement, un qualifier que j'aimerais bien pouvoir préparer, le faire et le caster ici sur ma chaîne. Pour vous montrer, bah, à partir du moment où on a décidé de le faire, comment le faire, le préparer, faire la compétition et voir comment se passe la compétition à partir du moment où on s'est entraîné sur le format. Parce que, évidemment, tous les qualifiers ne se font pas forcément sur les mêmes formats. On peut avoir du limité, on peut avoir du standard, on peut avoir maintenant de l'alchimie, on peut avoir de l'historique et on parle maintenant aussi d'avoir d'autres formats. On va voir comment ça va se passer. Donc voilà, vraiment de bonnes nouvelles par rapport à la scène pro et aux futurs événements. En parallèle à ça, il parle aussi de faire des événements qui ne seraient pas forcément compétitifs. Plus des événements où on jouerait dans le format commandeur. Ça, c'est tout à fait aussi quelque chose de nouveau et qui pourrait être sympa pour les joueurs, on va dire, de cartes de Magic qui ont tous leur deck commandeur, qui jouent entre eux. Pouvoir se réunir, s'amuser à Magic, c'est aussi quelque chose d'important et de sympa et vraiment propre à Magic. Et c'est bien que ils mettent aussi l'accent là-dessus et pas uniquement sur la scène pro. Donc ça, ils ne rentrent pas encore dans les détails comment ils vont organiser ça dans le futur, mais on va certainement avoir des événements assez, je pense, assez gros, qui ne compteront pas pour la scène pro, mais qui seront consacrés donc. À d'autres tournois que les tournois de la scène pro. On va voir un peu comment ça va évoluer, mais voilà, des choses assez positives. Je me réjouis d'avoir plus d'infos et de voir comment ça va évoluer. J'étais un petit peu une passe un peu bad mood, enfin de mauvaise humeur. Par rapport à Magic, parce que il n'y a pas grand, ça bougeait pas beaucoup, ce qu'ils proposent était jusqu'à présent, sur MTG, en tout cas, elle n'était pas extraordinaire. Là, ça va bouger, ça fait plaisir. Je me réjouis aussi que leur plateforme soit un petit peu plus tournée vers la compétition. On va voir comment ça va se faire. Voilà.
pour le futur proche. Alors, j'ai pas des réponses pour les détails, ça va venir. Là, c'est vraiment une annonce qui commence. Et sur le site, bon, si vous voulez avoir les infos, vous allez sur le lien que je vous mets en description. Et aussi, si vous voulez avoir un YouTuber qui vous raconte ça en détail et qui a la patience, plus que moi en tout cas, de détailler vraiment chaque chose, je vous conseille aussi d'aller sur la chaîne d'Eliott Dragon, qui a fait une chouette aussi émission. Je le mettrai en lien, comme ça vous pouvez aller le voir. Il raconte vraiment ça en détail. Bon, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Dès que moi, par rapport à toutes ces nouveautés qui arrivent, j'ai un plan un peu plus précis, je vous en ferai part. Ça se prépare. On sent que l'année devient de plus en plus intéressante. 2022, la fin, ça va peut-être finir sur les chapeaux de roue. Et 2023 va être certainement peut-être une super année, je l'espère. Je vous dis un grand merci de me suivre. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à m'encourager. Je sais que j'ai fait un petit peu moins de vidéos ces temps-ci. Mais là, je pense qu'on est reparti pour un nouveau set de vidéos très prochainement. Là, je pense qu'une des prochaines, c'est comment essayer de réunir le plus vite fait sur son compte 15 000 pièces d'or pour pouvoir acheter des boosters. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!